Salut tout le monde, c'est TechKnife. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu en dehors de ce que je fais d'habitude, donc ni sur un jeu vidéo ni sur quoi que ce soit. On se retrouve sur le PC et je ferai une vidéo par rapport à un post que j'avais fait sur FR Mods il y a pas très longtemps pour expliquer un petit peu les bases et le jailbreak en gros. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde enfin, qui venait poser vraiment des questions. Enfin, on pourrait trouver la réponse en 2 minutes sur internet. Vraiment, où c'est écrit, enfin, où ils demandent si on peut jailbreak sa console en 4.30, etc. Alors bon, je me suis dit, je vais essayer de faire un post qui explique le maximum, puis enfin, que ça reste basique comme ça, toutes ces questions. Voilà, plus personne ne les pose. Donc déjà pour commencer, moi j'ai commencé déjà par expliquer un petit peu ce que c'est le jailbreak. Hein. Donc quand on achète une PS3 dans le commerce, c'est une console ce qu'on appelle retail. Donc c'est une console destinée au grand public où elle nous sert pour jouer, regarder des films, aller sur internet, enfin ce qu'on connaît. Ensuite, donc pour les développeurs de jeux vidéo, Sony met à disposition des consoles qu'on appelle debug. Donc c'est des consoles qui ont beaucoup plus de fonctionnalités. Donc on a des accès intégral au disque dur, aux licences, je crois. On peut encore faire plein de trucs justement pour tester des jeux vidéo. Donc déjà installer des PKG, hein, des points PKG pour ensuite pouvoir les tester directement sur la console. Enfin bref, ça. C'est des PS3 qui ont beaucoup, beaucoup plus de fonctionnalités et le jailbreak ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire que on va essayer de jailbreak cette console pour pas avoir toutes les fonctionnalités d'une PS3 de développeur, mais déjà qu'on puisse avoir quelques moyens de plus, hein. Enfin la PS3 moins bridée, donc on peut par exemple la personnaliser, comme je dis tout à l'heure, avoir accès au disque dur, au fichier du disque dur directement. Et ben ça part un petit peu dans ça le jailbreak. Donc maintenant ça consiste à mettre un custom firmware, donc une version craquée. Donc déjà pour expliquer, au début le premier custom firmware il date de Geode, donc c'est la fameuse version 3.55. Et à ce moment-là en fait il suffisait juste de télécharger ce custom firmware, de le mettre sur une clé USB, ensuite hop dans la PS3. Donc c'était vraiment fait en 5 minutes. Et bon bah ensuite Sony a fait version 3.56, 57, 60, etc. Ils ont fini par changer de clé d'encryptation aussi pour leur firmware. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais pu faire des véritables custom firmware au-dessus de 3.55 pendant un long moment. Et donc bon, à ce niveau-là, c'était le niveau de la scène de hack PS3, c'était assez calme. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Il y avait quelques custom firmware qui sortaient, mais pour la version 3.55, il n'y avait plus trop de moyens de se connecter en ligne en 3.55. Enfin bref, c'était un petit peu plat. Et après, ça s'est développé. Il y a quelques clés d'encryptation, donc le MetLDR2 qui est actuellement utilisé, ça a été décrypté, blablabla. Enfin bref, je suis en train de partir dans un... Je suis pas trop en train de partir trop profond là. Ensuite, donc c'est une question qui revient souvent, c'est comment jailbreak sa console. Par exemple, à quelqu'un qui demande si on peut jailbreak sa console en 4.30, machin, on peut dire oui, mais il faut d'abord la downgrade en 3.55 pour pouvoir la jailbreak. Et ensuite, si on veut mettre un custom firmware 4.21 ou 4.30. Et donc, bon, malheureusement, là, bon, maintenant, il y a plusieurs moyens, mais forcément, c'est un coût. Donc ce qui est beaucoup utilisé maintenant, c'est cette fameuse 3 flasher. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc c'est un flasher qu'il faut mettre à la place du disque dur, il faut l'installer. Donc pour ça, il faut démonter la PS3. Et ensuite, on met le disque dur dans une station data. Et ensuite, on a toutes des démarches à faire. C'est vraiment, je pense, qui est utilisé le plus carrément, parce que vraiment qu'on soit en version 3.60, 4.0, 4.20, 4.30. Tout ce que vous voulez, on a, enfin, du moment que la PS3 est compatible avec ce flasher, on peut sans problème la downgrade en 3.55 pour ensuite la jailbreak. Et donc, comme j'ai dit, ça a un prix. Le kit complet de l'E3 flasher, ça coûte entre 80 et 90 euros, hein, c'est pas là. Donc dedans, on a le flasher, on a plusieurs choses, on a la station SATA aussi pour mettre le disque dur, on a le câble. Franchement, c'est assez complet. Bon, par contre, on n'a pas, parce qu'il faudrait avec, c'est bon, de toute façon une clé USB. Bon, je pense qu'il y a un peu tout le monde qui a. Il faudrait aussi une carte mémoire micro SD et puis un dongle. Et puis un dongle, ça coûte maintenant entre 10 et 15 euros, pas plus. Donc ça vous prenez en même temps que le flasher si vous n'avez pas. Et vous en avez pour une petite centaine d'euros. Donc
À ce moment-là, comme je disais tout à l'heure, pour autant que la console soit compatible, donc il y en a qui ne sont pas compatibles. Donc déjà, moi, bah, je m'en mêle, les pinceaux, les Super Slim, elles sont pas compatibles. Les 4 dernières versions des Slim ne le sont pas non plus, parce justement, elles ont cette fameuse clé d'encryptation Mate LDR2 qui n'a pas, enfin, qui n'avait pas été décryptée quand ce flasher a été fait. Donc du coup, c'est pas possible pour cette raison. Et pour la deuxième raison, c'est que à partir d'un certain temps, Sony, ils ont fait en sorte que les consoles supportent pas des versions en dessous de 360, par exemple. Donc si on voulait mettre, enfin si on voulait downgrade avec un flasher, on pourrait pas, parce que la version en elle-même supporte même pas, enfin même plus la 355. Donc du coup, ça aurait été impossible de l'installer. Et donc ça, c'est pareil aussi pour les toutes premières PS3, donc pour les premières PS3 FAT, vraiment première génération, donc les 40 et les 60 Go. Donc ça, on pourrait pas non plus, déjà de 1, bah, pour la disposition du disque dur, parce que bon, maintenant sur les PS3, on ouvre le petit cache, on retire le disque dur contre l'extérieur. Et les premiers disques durs, ils étaient placés dans le sens de la largeur de la PS3, donc quand on ouvre le petit cache, il fallait déplacer à droite et ensuite le tirer. Et bah à ce moment-là, on n'aurait pas pu mettre de flasher, tout simplement. Ensuite, parce que elles ont des mémoires flash, c'est des NAND, on appelle ça, et le 3 flasher, elle parvient, je sais pas si c'est une histoire de décryptation aussi, mais seulement les mémoires flash, qui sont les NOR. Donc ça, c'est une grande partie des consoles qui ont, c'était juste les premiers modèles qu'ils avaient. Et donc c'est un petit peu ça, mais bon, par contre, il n'y a pas de soudure à faire, enfin pas forcément, c'est juste un petit clip à mettre sur la carte mère et puis c'est bon. Et ben c'est un avantage par rapport à ben, un autre flasher, c'est la Proxkit. Alors là par contre, elle est compatible pour les consoles qui ont une mémoire NAND. Bon par contre toujours pas pour les toutes dernières Slim. Mais c'est une Proxkit, c'est une petite puce qui est assez petite d'ailleurs. Où là par contre, on est obligé de faire des soudures, donc il y en a 54 à faire sur différents points de la carte mère. Et ensuite, ce que je dirais, que le processus de downgrade, il est pas très très compliqué, il est pas très lent, il est limite plus fiable que celui de le 3 flasher, mais il faut quand même faire 54 soudures. Le flasher en lui-même coûte moins cher aussi, donc c'est peut-être un avantage. Mais sinon, le truc en lui-même, ça risque d'être plus compliqué au niveau de l'installation. Donc voilà, maintenant pour les différentes façons. Donc bah aussi, question toute simple, est-ce qu'on peut jailbreak sa PS3 en 4.30? Alors tout simplement, directement, non, on peut pas. Il y a des custom firmware 4.21, 4.30 qui existent, mais pour les installer, il faut de toute façon passer par la version 3.55. Donc quelqu'un qui veut jailbreak sa console directement en 4.30 sans rien faire, c'est impossible. Il faut de toute façon acheter un flasher, pour autant que la PS3 soit compatible, et ensuite pour pouvoir revenir en 3.55. Donc ça aide un petit peu, hein. Donc si vous voulez essayer de jailbreak votre PS3, vous avez, pour moi franchement, je vous conseille de prendre le 3 flasher. Franchement, c'est pas forcément super fiable, mais ça reste, c'est pas super cher, une petite centaine d'euros, c'est cool à faire. Franchement, moi, quand je fais, j'aime bien. C'est bon, c'est pas trop trop dur, hein, mais puis encore une fois, si on a de la chance, franchement, si on a de la chance, c'est fait en 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est assez rapide et franchement c'est pas très compliqué. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'aurais. Ah oui, bah oui, tiens, en parlant de 3 flashers, donc pour ceux qui sont pas au courant, j'ai fait 3 tutos sur ce 3 flashers. Donc les annotations apparaissent maintenant sur la vidéo. Donc il y a un tuto pour l'installation de justement cette fameuse 3 flashers sur une PS3 FAT. J'ai fait un autre tuto sur les PS3 Slim, et un dernier tuto de, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire une fois que le 3 flasher est installé, une fois qu'on allume la PS3, etc. Donc ça, c'est 3 tutos qui sont regroupés en 3 vidéos différentes. Donc comme je dis, les annotations apparaîtront sur la vidéo, et à partir de là, c'est à vous de voir si vous voulez quand même prendre le risque, parce que c'est comme des risques de briques. La plupart du temps, c'est réparable, mais quand même, il faut faire attention. Ce sera pas de ma faute si vous briquez vos PS3. Voilà, comme ça c'est dit. Et donc voilà, ça reste quand même un moyen, ça a un prix, mais au moins après, vous avez une console jailbreak, étant donné que là, plus on avance, plus la version 3.55 est vieille, donc forcément, plus les versions, enfin les PS3 jailbreak sont rares, mais justement, grâce au 3 flasher, ça devient un moyen pas trop trop compliqué de le faire. Donc bah voilà, je pense avoir répondu au plus gros des questions des personnes. Je pense qu'au niveau de comment faire, si on peut ou pas, et de quelle façon, je pense que j'ai répondu un petit peu à ces 3 questions qui sont vraiment souvent posées. Et bon bah comme d'hab, encore, si vous avez encore une autre question, un truc que vous n'avez pas capté, vous mettez un petit commentaire, et puis bah, du moment que je verrai, j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir pour en aider certains, ça je pense bien.
Et bon, bah, nous, on se retrouve tout bientôt sur la PS3 sans doute. Allez, ciao tout le monde.